Les réponses les plus urgentes, c'est répondre aux demandes en termes de personnel, en particulier de personnel infirmier, 24 heures sur 24, en présence de médecins salariés prescripteurs et qui permettent effectivement de pouvoir réellement médicaliser la structure, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et on a besoin surtout de beaucoup plus de personnel de type aide-soignant pour pouvoir prendre le temps de s'occuper de la vie quotidienne de personnes souvent très dépendantes, confinées au lit. Donc du temps pour donner à manger, pour faire la toilette, pour aussi des activités de stimulation. Il faut savoir que même une personne atteinte de maladie d'Alzheimer peut apprécier de la musique et ça peut permettre de garder un lien, un contact et puis surtout voilà, d'être aussi psychologiquement en meilleur état. Voilà, donc c'est ça correspond aujourd'hui, d'après les chiffrages validés par les directeurs des maisons de retraite, à la création de 200 000 emplois. Ça peut paraître énorme, mais c'est simplement réclamer un taux d'encadrement qui existe dans de nombreux pays européens et qui permettrait d'éviter des hospitalisations de patientes et de patients qui pourraient rester dans leur milieu de vie que sont les EHPAD. La dépendance, c'est un problème de santé, donc ça doit être un financement de la sécurité sociale. L'addition de financement là, dans les conventions tripartites ou la nouvelle tarification qui tend soi-disant à traiter de manière égale les structures aboutit à moins de 100 millions d'euros pour les maisons de retraite publiques, donc ce n'est pas raisonnable. On ne peut pas être dans le toujours moins. Aujourd'hui, la prise en charge de la dépendance nécessite des dépenses supplémentaires qu'il faut contrôler. Vous savez, les dépenses efficaces, ce sont les dépenses avec un collecteur unique et un financeur unique qui s'appelle la sécurité sociale. Quand on additionne la sécurité sociale avec des assurances complémentaires, des assurances privées, c'est très coûteux. On voit ce que ça donne aux États-Unis avec un niveau de dépenses pour la santé au sens large qui est très supérieur à ce qui existe en France. Et bien, l'enseignement, c'est qu'il y a urgence. Il y a urgence aujourd'hui parce que c'est la maltraitance institutionnelle et avec des professionnels de santé qui souffrent justement d'être maltraitants, qui ont plus que l'impression, c'est une réalité, de ne pas pouvoir prendre en charge dans des conditions dignes et humaines les résidents des EHPAD. Mais c'est le cas aussi dans les services d'urgence, quand ces personnes arrivent malheureusement dans les services d'urgence où elles restent sur des brancards pendant des heures parce qu'on manque de lits à l'hôpital. Voilà, donc c'est l'enceinte d'un système qui est défaillant aujourd'hui, donc il y a besoin de réformes de fond. Et l'entrée par les dysfonctionnements aujourd'hui des EHPAD est une bonne entrée pour dire qu'il faut traiter le maintien à domicile, les EHPAD, l'hôpital, de manière conjointe et non pas en silo comme on l'a souligné. C'est l'ensemble du système de santé qui aujourd'hui est défaillant et pour une partie de la population qui mérite autre chose que ce qu'on lui propose aujourd'hui.